I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! You're a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, bonjour tout le monde, Jonathan Drapeau du Wrestle Rock Podcast. Alors, j'espère que tout le monde, ça va bien. Je suis en co-animation avec mon ami d'enfance, Benoît Laferrère, qui est notre soeur Ben. Comment ça va, mon Ben? Ça va très bien, toi, ça va? Yes, ça va super bien. Une première aujourd'hui? Yes, une première aujourd'hui, puis ça fait vraiment longtemps qu'on voulait l'avoir avec nous en entrevue, mais malheureusement, très occupé avec le travail, l'entraînement, les études, etc. Donc, Laila Beaudoin, boxeuse professionnelle pour Eye of the Tiger. Et comment ça va, Laila? Allô, ça va? Ah oui, ça va, toi? Yes, yeah, ça va super bien. Good, good. En compagnie de son chat, c'est quoi son nom? Timo. Timo. Yes. Et ça me fait penser, dans le temps, il y avait la fête des jardins à Lévis, puis il y avait un personne. Il y avait une mascotte, elle s'appelait Timo. Ça me fait penser à ça. Yes! Hey, écoute, nous, on se connaît un petit peu, tu sais, mais tu sais, juste connaissance, tu sais, on a traîné comme dans les mêmes salles d'entraînement, puis tout ça, tu sais, puis on t'a vu, je t'ai vu évoluer, puis tout ça, puis. C'est tellement hot ce que tu fais en ce moment. Là. On est tellement fiers. C'est un beau fleuron québécois. Puis on est tellement content que tu sois avec nous en ce moment. Tu n'as pas idée à quel point, genre, c'est vraiment cool que tu aies pu accepter notre invitation. Puis, ça me fait plaisir. Dans le fond, Laila, on avait quelques petites questions pour toi. Au niveau de la boxe professionnelle, à quel âge tu as commencé à t'intéresser, dans le fond, à la boxe? Je me suis jamais vraiment intéressée à la boxe, aussi bizarre que ça puisse paraître. Là. Okay. Moi, mon père est un gros fan de boxe professionnelle. Puis quand j'étais jeune, quand j'avais 13-14 ans, je faisais d'autres sports. J'ai tout le temps fait du sport de compétition. J'ai fait du ski alpin de compétition pendant plus de 10 ans. J'ai joué au soccer aussi. J'ai fait du basket, du tennis de table même, fait du ping-pong. Il n'y a rien que j'ai pas fait, puis tout de manière compétitive. Okay. Fait que quand je faisais du ski, mon père il disait souvent ça coûte cher le ski, mais tu sais, pour me niaiser. Là. Mais c'est vrai que ça coûte cher le ski. C'est des paires de ski à 1500$. On en a besoin de 3-4. Pas par saison. Là. On les gardait, mettons, 2-3 ans. Mais quand tu avais besoin d'en acheter, ça coûtait assez cher. Fait qu'il me disait je te verrai boxeuse. J'étais comme moi à 13-14 ans. T'es-tu malade, boxeuse? Je vais me faire démolir. Puis, tu sais, on regardait souvent Lucien Bouté, Jean-Pascal à la télé. J'aimais toujours ça, regarder les combats. On se faisait souvent des soirées, là, d'où je viens, là, puis on regardait tous les combats comme ça. Fait que j'ai toujours regardé ces affaires-là un peu quand même. Puis, à un moment donné, par hasard, j'ai essayé la boxe un soir, le cardio box à Rivière-du-Loup. Puis c'est une de mes amies là, qui m'a dit viens essayer ça avec moi, vu que j'étais comme entre ma saison de soccer et ma saison de ski, fait que j'avais comme rien à faire, puis je suis très hyperactive, très sportive, fait que j'avais besoin de faire de quoi. Puis finalement, j'ai essayé, puis j'ai vraiment trippé. J'ai fait du cardio box pendant quelques temps, puis après ça, à un moment donné, j'ai vu l'équipe de compétition là, de boxe amateur s'entraîner, puis je connaissais pas ça, je savais pas que c'était aux Olympiques, que j'avais jamais vu ça, là, la boxe avec les casques, le coin rouge, le coin bleu, vraiment la boxe olympique, je connaissais pas ça, fait que j'ai fait aïe, je vais essayer ça, puis je suis tombée en amour, direct. Puis dans le fond, la boxe olympique, ben c'est ça, c'est avec le casque, puis de mémoire, toi, t'as été au championnat canadien aussi? Oui, moi j'ai été au championnat canadien 2 ans. La première année que j'étais allée, c'était dans une catégorie pas plus haute. J'ai terminé 2e quand même.
C'était pas une catégorie de poids qui était bonne pour moi. Là, moi, j'arrivais, je faisais pas de déshydratation, je me pesais, puis j'étais en dessous du poids, là, tu sais. OK. quand même fini deuxième. Puis après ça, au championnat canadien, l'année d'après, là, j'étais allée dans ma vraie catégorie, qui était 132 à ce moment-là. Puis j'ai gagné le championnat canadien, là, 2019. Wow. Ouais, fait que c'est ça. Très cool. Puis ça se déroulait où, ça, ce championnat-là? Dans quelle ville? C'était à Victoria, au BC. Ce championnat canadien-là. Puis cette année-là, ben, je suis devenue sur l'équipe canadienne. Je pensais vraiment que ça allait m'ouvrir des portes. Je pensais que mon... Tu sais, quand j'ai gagné, là, j'étais genre, ben voyons donc, tu sais, je vais pouvoir enfin peut-être rêver aux Olympiques et tout ça, parce que ça a toujours été mon but, que ce soit dans le ski ou autre, d'aller aux Olympiques. Puis là, ben j'ai vu comment Boxing Canada fonctionnait et tout ça. Fait que j'ai pas niaisé, moi, quand ça fait pas... ou que ça marche pas, je suis genre à m'en aller, là. Je reste pas là dans un environnement toxique. Puis c'était toxique, fait que j'ai comme voulu un peu arrêter de boxer. Je m'étais dit que je savais pas ce que j'allais faire. Là. Durant l'été, j'étais très démotivée. Puis finalement, ben, Eye of the Tiger m'ont offert un contrat professionnel. Okay. C'est là à l'automne 2019 que j'ai fait mes débuts professionnels. C'est qui a été ton entraîneur et ton mentor dans la boxe? Mon premier entraîneur, c'est vraiment Mathieu Lavoie-Dion à Rivière-du-Loup. Okay. Vraiment lui qui m'a donné la piqûre. C'est lui aussi qui m'a vraiment donné goût des Olympiques, qui m'a fait comprendre que les Olympiques, c'était accessible. T'sais, moi, dans ma tête, quand j'ai commencé à boxer, j'avais 18 ans. Fait que je me disais, oublie ça, tu sais. Mais de la manière que je m'entraîne, tu sais, je suis très impliquée dans mon entraînement, j'apprends vite, je vois mes erreurs, fait que je les mets en application, je mets en application mes corrections rapidement. Ouais. Toujours persévérer là-dedans. Ouais, exactement. Mais tu sais, j'apprends extrêmement vite comparé à d'autres gens. J'ai vraiment la capacité à voir mes erreurs, puis je suis très, 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 très perfectionniste aussi, fait que c'est sûr que des fois, ça peut être dur d'être perfectionniste pour le mental, mais ça a du bon parce que quand j'exécute quelque chose, mettons, quand on fait du pad ou quelque chose comme ça, mettons que je ne l'ai pas bien fait, mais mon coach n'a même pas besoin de me dire que je ne l'ai pas bien fait, je le sais. Puisque moi, je sais. Puis là, je le refais comme il faut après. J'ai une petite anecdote à propos des pads. Moi, je t'ai vu aller plusieurs fois, puis je nommerai pas le nom du coach, mais honnêtement, tu faisais du pad avec ton coach, là, puis... je suis allé voir ton coach, puis j'ai dit, mon Dieu, elle frappe donc bien fort, Layla. Puis là, il m'a dit, ouais, Layla, elle frappe comme un homme. Ouais. Ouais, c'est vraiment hot. Puis, genre, dans la même journée, la personne en question, ton coach, il faisait encore du pad avec toi, puis là, il dit, là, Layla, c'est assez, là, j'ai mal aux mains. OK? Ouais, ça arrivait. Après, t'es pour être une bonne cogneuse, là. Fait que c'est vraiment cool. Puis d'ailleurs, récemment, t'as fait ton combat. 7 victoires, aucune défaite. En professionnel, c'est juste comme. Les étoiles, c'est pour toi, là. Hey, c'est vraiment nice, honnêtement. Puis. J'imagine, dans le fond, là, on parlait d'entraînement. Combien d'heures par jour tu t'entraînes, genre, avec la boxe? J'ai toujours de la misère à répondre à cette question-là, mais je vais y aller en termes de fois. Oui, en moyenne, tu peux. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, lundi, mercredi, vendredi, je m'entraîne 2 fois par jour. Le mardi et le jeudi, c'est mes journées de sparring. Fait que ça, on fait vraiment rien d'autre que le sparring pour avoir toute l'énergie nécessaire. Puis le samedi, on rajoute un entraînement de boxe, de course, etc. Fait que, tu sais, on parle d'un 2, 4, 6, à peu près une dizaine de fois par semaine, je dirais. Donc, mesdames et messieurs, Layla, elle fait juste s'entraîner 10 fois par semaine. Ah, c'est fou pour vrai, là. Je te lève mon chapeau, c'est comme... malade. Merci. Ouais. En cas d'entraînement, c'est quand même c'est très exigeant. Là. C'est très fatigant. Je suis brûlée. T'sais. Je disparais avec... T'sais, j'ai une gang d'amis puis quand je suis en cas d'entraînement, je disparais pour 2 mois. T'sais, ils ne me voient pas. Ils m'invitent pareil, là, mais
je réponds non. Plus la réponse. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis comme non. Ou des fois, il me texte, il est 9h30, puis je dors déjà. Je réponds le lendemain. Moi, je peux récupérer, tu sais. C'est, ouais, c'est une discipline. Puis, tu sais, non seulement... Ben, c'est un way of life, là. C'est vraiment comme, tu sais, faut que tu te focuses, tu sais. C'est un game changer. Faut vraiment, genre, que tu... Faut que tu ouais, vives la, de vie, faut comme vives tu la dis, boxe, tu sais. Ouais, ouais, ouais. À ce niveau-là, tu sais, c'est... Vas-y, mon ami. Oui, là, parmi les adversaires que tu as eus durant ta prestigieuse carrière, laquelle a été la plus rough, la plus coriace? La dernière. La dernière. C'est un adversaire, c'est une Mexicaine. Les Mexicains, quand ouais. on l'a pris, elle, à base, déjà là, ça me faisait de la prendre parce que je sais comment elle était. Elle fonce dessus. T'sais, moi, dans la boxe, ce que j'aime le jeu d'échecs. J'aime tendre des pièges, j'aime faire des feintes, j'aime te faire tomber dans mes pièges, moi que j'en profite. J'aime le côté vraiment stratégique. Ouais, puis j'aime pas les bagarres de rue, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je déteste ça. Fait que j'aime être précise. J'aime pas ça, garrocher pour garrocher. Je vais lancer quand je vois que ça touche. Puis souvent, c'est ça touche parce que je suis précise. Fait qu'avec elle, ben, je savais qu'elle fonçait dessus. Elle n'avait pas vraiment de technique à part me foncer dessus. Puis elle savait que je gérais bien ma distance. Fait qu'elle l'avait mentionné qu'elle, ça allait justement de me rentrer dedans, son objectif puis tout. Fait qu'elle l'a fait. Puis elle l'a fait même avec sa tête, me rentrer dedans. Là. J'ai eu des nombreux coups de tête, des coups en arrière de la tête, des coups de coude. Il n'y a rien que j'ai pas eu. Puis tu sais, même au troisième round, j'ai été ébranlée. Là. Mon troisième round, il a été... extrêmement pénible pour moi. Là. Puis je me disais, aïe, ça va vraiment pas bien. J'étais vraiment ébranlée. Puis là, d'ailleurs, j'ai fait une commotion cérébrale. Une commotion légère, là, mais tu sais, tout de même, j'en ai fait une. Après le combat, là, genre ceux-là qui m'ont vu, là, j'avais aucune émotion. J'étais vraiment apathique. On dit, là, genre, aucune émotion. T'es-tu contente? Tu sais, t'as gagné. Puis j'étais comme, ouais, je suis vraiment contente. Mais genre, j'avais pas d'émotion. J'étais vraiment. Puis tu sais, j'ai connu un appel en même temps. Excusez, je l'ai. Il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Fait que j'avais pas d'émotion. Puis j'étais très, très, très fatiguée. Puis d'habitude, après un combat, je suis vraiment correcte. Le lendemain, j'étais encore plus correcte. Le lendemain, j'étais encore vraiment brûlée. Le surlendemain aussi. Le dimanche, après mon combat, j'ai sauté en parachute. Puis je m'en foutais comme dans l'an 40 de sauter en parachute. L'instructeur, il me dit, t'as donc bien pas l'air stressée. J'étais comme, je ressens rien. On était à 14 000 pieds dans les airs sur le bord de jumper dans le vide. Puis il était comme, j'ai jamais vu ça. Il dit, t'es pas stressé pendant tout. Je pense que j'ai eu trop d'adrénaline vendredi, puis là, j'en ai plus, là. C'est très bien, tu sais, ces athlètes-là, ils carburent à l'adrénaline, tu sais, puis c'est ce qui arrive souvent, tu sais. Est-ce que je pense que c'est ta première commotion cérébrale, hein? En boxe, ouais, j'en ai jamais fait en boxe, là, j'en ai fait une. Mais, tu sais, mettons, de coups de poing, je me suis jamais vraiment fait stunner, là, c'est vraiment un gros coup de tête, puis, tu sais, même dans le combat, quand on le revisionne, tu me vois, là, je le dis, puis même dans mon coin rendu au quatrième round, je le dis, hey, ces coups de tête, ça n'a pas de bon sens, ça te sort de ta game, c'est vraiment tough, là. Puis, tu sais, ça aurait pu être le début de la fin, là, pour ce combat-là, là. J'aurais pu, genre, le perdre à cause de ça, j'aurais pu tomber à terre, à être ébranlé, tu sais, c'est plate, là. L'arbitre, il l'avertissait. Ça fait partie de la game, mais c'est ça. C'est le danger de justement pas avoir de casque qui s'ajoute à ça. Ça protège moins. C'est plus du fait que, bref, elle était coriace, Stifi. J'ai lancé des shots vraiment fortes, vraiment puissantes. Il n'y a rien que j'ai pas essayé. Puis elle fonçait pareil. Elle était encore constamment dans ma face. C'est des toughs, les Mexicaines. C'est des toughs. Il n'y a pas d'autre moyen que de les décrire que ça. C'est des toughs, Stifi. Il n'y a rien à faire avec eux autres. Puis bravo à elle, man. Ils sont vraiment. Ils viennent pour se battre. Puis ils donnent tout un show. Puis c'est ça. En 2019, tu as remporté le championnat. On en a déjà parlé. Fait que, dans le fond, ben, tu as remporté le championnat canadien dans la catégorie des 60 KG. Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir une chance au titre dans ta catégorie dans le pro? Ouais, ben là, tu vois, la dernière adversaire que j'ai affrontée était 10e, puis quand on l'a pris, elle était 8e au monde. Moi, j'étais classée sur BoxRec à 44e. Fait que, tu sais, on savait que c'était un gros combat. C'était un combat qui ont été jugés 50-50. Là. J'avais autant de chances de gagner que j'avais autant de chances de perdre. Là. Je pouvais le perdre, ce combat-là. Fait que, tu sais,
c'était vraiment un combat difficile, mais ils vont tous être, ils vont être de plus en plus tough, ils vont être de plus en plus serrés, ils vont être plus durs à juger. T'sais. Ça ne sera pas des combats à sens unique, comme on peut voir souvent en début de carrière. Fait que là, ça fait de moi que je suis rendue au 12, je suis rendue 12e au niveau du classement mondial. Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, ben, ça me permet d'avoir des adversaires vraiment plus solides. T'sais, on va aller faire des combats dans ces eaux-là, là, de ces boxeurs du top 15-là. Fait que c'est sûr que là, tu vois, je devais me battre le 27 octobre, qui s'en vient. Finalement, comme 2-3 jours après le combat, on a décidé de ne pas le prendre tout de suite parce que, comme mes coachs ont dit, tu t'en viens avec des gros combats. Tu en as fait 4 en peu de temps durant l'année. Fait que là, tu sais, repose-toi, puis on essaiera de regarder pour décembre si on est capable d'avoir un spot pour le prochain gala. Parce que là, c'est ça, tu sais, je suis rendue à un stade où ce que je vais avoir des durs adversaires, tu sais, c'est plus des combats de 4 rondes non plus. Je vais arriver sur mon premier 8 rondes. Fait qu'on veut prendre le temps de faire bien les choses, puis aussi de me reposer, parce que comme vous l'avez dit, mentionné, j'étais à l'école en soins infirmiers, fait que c'est vraiment de la job pas mal. Tu sais, là, je m'en vais en stage à soir, j'en stage demain soir aussi, fait que... C'est ça. Tu es en train à travers tout ça? Oui. Ouais, en plus, puis le stage infirmier, ça garde occupé, ça, le chantant. C'est exigeant, c'est sûr. Oui, c'est exigeant. Là. On ne fait pas rien. Ouais, vraiment. Oui, quel a été, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, quel a été le plus grand obstacle que tu as vécu, genre? Dans le fond, l'année avant les championnats canadiens en 2018, j'ai perdu mon ex-conjoint Jimmy. Okay. Il s'est enlevé la vie le 13 juin 2018. Okay. Fait que moi, ça, je pensais pas vivre ça dans ma vie jamais. Puis c'est moi qui l'ai retrouvé moi-même en plus. Okay. Fait que pour ajouter au deuil puis à la souffrance, là, c'est une personne qui avait des problèmes d'anxiété, puis tout ça, fait que c'est sûr que c'était des problèmes qui n'étaient pas gérés. Il aurait pu demander de l'aide, avoir de la médication pour son anxiété et tout ça, mais souvent les gars, ils n'ont pas l'impression que ça peut se régler, ils veulent pas parler de leurs émotions, ils gardent tout en dedans. Fait que souvent c'est des choses qui arrivent spécialement chez les hommes, c'est des gestes qui sont impulsifs. Donc, c'est moi, ça je suis bien placé pour te comprendre, parce que j'ai vécu la même chose que toi. J'avais 13 ans. C'est mon grand frère. Il s'est tiré une balle dans la tête. Ah, mon Dieu. En 1998. Oui, c'est ça. C'est... Je suis bien placé pour te comprendre. Oui, c'est jeune. C'est... On vit toutes les obstacles, des épreuves de la vie de différentes manières. Puis c'est ça, justement, les gars, en général, c'est encore plus difficile. Puis moi, c'est une des choses qui est vraiment importante pour moi, de militer pour la santé mentale des hommes, spécialement. Parce que c'est encore très tabou, justement, qu'un homme puisse avoir des émotions. Puis c'est correct de pleurer. T'sais, un homme, il faut que ça soit fort, il ne faut pas s'attendre. L'affaire Belle pour la cause là, qui se présente au mois de janvier, là. Ça j'approuve ça. Il faut en parler. Quand ça va pas bien, il faut en parler. C'est ça, tu sais... C'est là que c'est en parlant qu'on se rend compte que finalement, ces genres de situations-là, ça arrive à monsieur, madame, tout le monde. Puis, je pense que c'est la force du groupe, c'est d'en parler et de se rendre compte que finalement, la personne à gauche de toi, elle a vécu un peu la même sorte de situation, etc. Ça rend les gens un peu plus forts, malgré que ça l'éliminera jamais, cette blessure-là qui va rester là. Non, c'est ça. Tu t'en mets pas de ça, mais t'apprends à vivre avec. Exactement. On peut jamais vraiment, je pense, passer par-dessus ça, mais on apprend à vivre avec. Ça fait partie de notre quotidien. Puis, c'est ça, comme tu l'as dit. Exactement. Et en terminant, notre ami Benoît, a.k.a. Nostradamus Ben. OK. Nostradamus, là, dans le fond, tu dois savoir, c'est une personne qui a prédit plein de choses dans le passé. La boule de cristal. Puis, exactement. Puis Ben, son nom vient un peu de là parce que quand on écoutait des événements, tout ça, il prédisait les gagnants des combats, puis ça arrivait toujours. Des fois, je me trompais, mais c'est... Bref, donc, en terminant, comme classique, nous, ce qu'on fait, c'est que Ben va prédire ton avenir dans sa boule. Vas-y, mon Ben, go ahead. Ah, ben regarde, t'es quoi, t'es à 6-0 ou 7-0? 7-0. Ben, parti comme t'es là, tu vas devenir championne du monde. Pas championne canadien, mais championne du monde. Parti comme c'est là. Hein. On te le souhaite bien gros. Merci, je l'espère aussi. Je travaille fort, puis je pense que c'est accessible.
Ah oh, oui, j'imagine. Ben, merci beaucoup, Laila, pour ton temps, ta disponibilité. C'est super cool que tu aies pu prendre quelques minutes avec nous. Alors, ben, on t'embrasse, puis ben, bonne chance dans tous tes beaux projets. Merci, ça m'a fait plaisir d'être là. OK, bye-bye. Bye-bye.